placé que nous avons dans nos trois provinces du Grand Bandundu, et les déplacés issus du conflit Tekeyaka dans les territoires de Kwamuntu. Alors plusieurs personnes ayant fui des atrocités se retrouvent aujourd'hui à Bandunduville, et à Fatundu, à Kenge, à 316, voire même vers Bolobo. C'est pourquoi nous sommes venus rencontrer le père de la nation, s'il peut nous aider à évacuer ces gens-là, à les ramener là où ils veulent ou les faire retourner d'où ils viennent. Notre entretien avec le chef de l'État a tourné sur la situation qui prévaut dans notre province, la situation sécuritaire ainsi que la situation actuelle d'électricité et des infrastructures. Et comme vous le savez bien, le gouverneur représente le chef de l'État dans la province. Et donc tout ce que nous faisons comme action, tout ce que nous faisons, nous posons comme acte, c'est lui qui sera comptable à la fin du mandat, ça sera le président de la République. Donc nous sommes censés faire bien les choses selon la vision du chef de l'État pour qu'enfin que demain, quand il sera devant la population, qu'il sache justifier son mandat. Il fallait que nous fassions part de ce que nous faisons déjà, où nous en sommes et qu'est-ce que lui peut faire pour nous appuyer. Je viens de rencontrer les garants de la nation, les chefs de l'État.